Bonjour Benjamin. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, c'est très bien. Il fait super beau aujourd'hui en plus. Hein ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes situé à cette adresse? Alors, ça fait maintenant 2 ans et demi que le magasin existe en fait. Oui. Donc c'est le Tokyo Café. J'ai basé le magasin sur le concept japonais des Mangakisa. Donc grosso modo, on retrouve les services habituels. Donc les jeux vidéo, la lecture de manga, les boissons à volonté et l'accès à internet. Alors, tout simplement parce que déjà on peut rencontrer des personnes qui sont fans comme vous, que vous avez les conseils d'un fan de manga depuis plus de 20 ans qui peut vous aider à choisir des séries, et aussi parce qu'il y a beaucoup de bouquins que vous ne trouverez pas ailleurs. Donc par exemple, il y a à peu près 1000 mangas qui sont plus disponibles à lecture, notamment qui viennent de ma collection personnelle. Donc il y a des très, très vieilles raretés. L'autre chose aussi, sur les PC, vous avez 4 PC qui sont équipés en 3D. Donc ça, c'est tout nouveau, c'est unique en France en fait. Ça vous permet de découvrir vraiment ce que va donner le futur en fait en termes de 3D. C'est beaucoup plus impressionnant qu'au cinéma. Merci beaucoup de cette interview, Benjamin. Merci à vous. Je vous dis au revoir. Bye bye. Bye. Génération Digitale, Mamma Mia. Wouhou. Génération 10.